Voilà, donc on va essayer d'enchaîner par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Donc on avait un petit rappel par rapport au dimensionnement des poutres isostatiques à l'ailes, sur un béton précontraint. On a vu le calcul, c'est-à-dire le dimensionnement de l'effort de précontrainte P et de l'excentricité E0 en classe 1 et en classe 2. Et donc pour récapituler, normalement pour le dimensionnement, il y a deux manières de faire les choses. Parce que selon la section, on a deux types de sections. Soit la section elle est sous-critique, soit elle est sur-critique. Donc pour le calcul, on a deux manières de faire. Soit la première méthode, là la première manière, bien sûr ce qui se fait en pratique, c'est qu'on calcule P sous critique ou la P minimale, il y a la précontrainte minimale, donc cette précontrainte minimale à ne pas dépasser. Donc si on calcule la précontrainte minimale, ensuite en fonction de cette précontrainte minimale, on vérifie la condition d'enrobage, si on trouve que cette condition d'enrobage n'est pas vérifiée, dans ce cas, ça veut dire que la section elle est surcritique. Si elle est vérifiée, c'est-à-dire la condition d'enrobage est vérifiée, la condition d'enrobage, ça veut dire que 0 il doit être compris, c'est-à-dire elle doit être supérieure en cas de moment positif, elle doit être supérieure à moins entre parenthèses de prix moins de prix, sinon inférieure à V moins D si le moment il est négatif. Donc, on calcule la précontrainte minimale, on vérifie la condition d'enrobage. Si elle est vérifiée, c'est bon, on passe. Sinon, on est obligé de d'augmenter P et de calculer P, c'est-à-dire l'effort de précontrainte en section surcritique. Et ça veut dire que la section est surcritique. Donc, ça, c'est la première manière de faire. Ensuite, il y a la deuxième manière, comme on l'a déjà vu, et comme vous avez déjà vu avec la visite. Soit vous calculez à P sous critique et P minimal et P sur critique et vous comparez les deux P sous critique et P sur critique. Si vous avez P sous critique qui est inférieur, plutôt supérieur à P sur critique, ça veut dire que on est inférieur à la précontrainte minimale, chose qui ne doit pas être faite parce que sinon si on est inférieur, on risque de dépasser les contraintes de traction admissibles. Et dans ce cas, ça veut dire qu'on est en section sur critique, il faut prendre P égale à P minimal, c'est-à-dire P sur critique. Et si P sur critique elle dépasse P sous, ça veut dire que la section elle est sur critique. On a vu les formules, vous avez déjà les formules, donc on va essayer d'enchaîner avec les exercices avant de passer à la classe 3. Donc pour la classe 3, donc, on va essayer de la voir tout à l'heure. On va essayer de faire un exercice. Mais dites-moi quel exercice vous avez fait. J'essaie de reprendre les exercices du MCAI, donc je ne sais pas lequel de ces deux vous avez fait. Dites-moi à l'exercice, est-ce que vous l'avez déjà fait? Madame, donnez-le premier exercice. C'est vous. Vérifiez, s'il vous plaît. Non, madame, monsieur. Non, madame, monsieur. Non, madame. Non, là, monsieur, madame. D'accord, c'est pas grave. Donc, de choix de les questions, vous avez calculé la classe 1 en classe 1 et vous avez déduit le nombre d'armatures précontraintes. Dites-moi même les questions, est-ce que vous avez fait les mêmes questions? Donc on n'a pas les... on donne le nombre d'armatures. Je suis en train de faire les courbes, enveloppe. La courbe, on met le M-max, le passage de la fusure,
dans le passage de la fusion, ça, ça m'a donné les deux. Parce que les deux grandes de M1 et M1. Oui, madame, tu les as vues. D'accord. Donnez les moments, madame. Donnez les moments. Dans les moments, où on se met le fuseau de passe, la chimie. D'accord. Donc on va essayer de faire un exercice pour qu'il y ait des éléments, les mêmes choses, je crois qu'on va le faire. Madame, vous rendez-vous à l'exercice. Si vous voulez, soit on fait Ada, soit on fait le Wara. De toute manière, le Wara. Ou là, on va faire le troisième. C'est avec une console. C'est-à-dire que la console, on a le moment négatif. Madame, quand vous voulez. Et quand vous voulez. Sinon, donc on va essayer au moins de faire le premier ou le deuxième. Admin comme nous la 53. Donc on va essayer de préparer le premier dedans. D'accord, mal. Donc prenez bien les données. Et là, on fait au moins la première question. D'accord, madame. Bien. Donc, on va calculer d'abord le moment maximal et le max. Oh, tu es favorable ou défavorable? Là? Tu es favorable ou défavorable? Qu'est-ce que je... M min ou M max. Exactement. Tu es la vie de l'état en service. Donc, pour M min. On a un exemple simple de charge uniforme, donc c'était la oui. Dans notre cas, on a la charge. Il y a mieux comme ça. Moi, je pense à la comme ça. La charge, exactement, on a que la charge permanente, donc qui est égale à 2,5, qui est le poids propre de la poutre. Donc on a multiplié par 20, qui est la portée de la poutre, donc carré sur... Combien vous avez trouvé? Madame, moins 700. Là 625. Exactement, 625 kilonewtons. Ouais. Bon, mais... Ensuite, on va calculer la charge et max, plutôt les poils à un moment et max. Qui, dans notre cas, on a l'achat, il se compose de charge permanente et charge d'exploitation, donc c'est 2,5. Donc la charge d'exploitation, vous avez une charge d'exploitation qui est égale à 20 kN. Donc 20 kN, toujours fois 20 carré sur... Donc combien vous avez trouvé? Nous avons la valeur. 1625. Très bien, oui. 1625 kN. Voilà, donc après on va calculer la pré-contrainte plutôt la pré-contrainte sous-critique. On va faire avec la première manière, on va passer à la première, donc on va faire avec la première méthode, on va passer voir la deuxième, faire la deuxième méthode. Donc la première méthode, on est en classe 1, donc classe 1 ça veut dire qu'on n'a pas de contrainte. Donc ça veut dire que les contraintes de traction, ils sont nulles. Donc contraintes de traction nulles, ça veut dire que C et C' ils sont égales à
trouver, et ça veut dire que on va prendre directement la formule en classe 1. C'est cette formule. Ça veut dire que isso critique. Donc, ça veut dire que on va prendre tout ça. Donc, ça veut dire que les contraintes sont nulles. Et ça veut dire aussi que la précontrainte minimale de la courbe critique elle est égale à la différence entre un moment fois rho fois h. Voilà. Donc ça, pour la précontrainte, on va prendre les valeurs qu'on a, 1625, moins 625. Rho, pour un secteur rectangulaire, elle est égale à combien? Vous l'avez fait, non? Un tiers, madame. Oui, voilà, un tiers. Bon. Après, H, c'est 125 fois 125. D'accord? Donc faites-moi le calcul, donnez-moi la valeur de plus cette suite. 2400. Hein? 2400. Très bien. Donc 2400. Et donc 1400. Après, on va calculer le plus de mots. Voilà, on va prendre le plus de mots. Pour le zéro en classe. Et on va travailler avec cette formule. Donc, pour le E0, c'est rho fois V. Donc, c'est rho fois V. Donc, rho, c'est 1 sur 3. Donc, 1 sur 3. 3V. Ah, 25 sur 2. Moi, le max, on a dit, c'est 1600. C'est 1600. Donc, c'est 825. Et PSO, c'est 2400. Donc faites le calcul, donnez-moi la valeur. Moins 0,47. Quel? Moins 0,47. Voilà, donc moins 0,2. Prenez 3 chiffres après la virgule. Donc c'est 468. Très bien, donc c'est moins 0. 468. مدام ركتي واحد ديك تيسو راه 625 ماشي 6225. نعم تيسو 6000 ماشي 6225 راه 625. طون دو كوا تيسو مدام اوكي 1600 625. Très bien. Donc après, on va vérifier la condition d'enrobage. Donc la condition d'enrobage, pour que la vérifie, il faut calculer V parce qu'on a un moment positif. Donc il faut vérifier par rapport à moins V moins V' moins V'. Donc, dans notre cas, c'est... Donc, V', on a dit c'est 1,25 sur 2, moins V', 10 cm. Donc, on va prendre moins 0,01, plutôt 0,1.
Madame, c'est 7 ou la 10? Hein? 7 cm ou la 10 cm? 10 cm. 10 cm. Voilà, ah, c'est là. Quand je passe là. Elle ne commence pas. Fin, elle ne commence pas. C'est drôle quand même, tu vois. Hein? Dites-le qui, non, en fait. Ça? Dites-le qui, non, madame, mais si c'est... L'enrobage à faire, madame? 10 cm. L'enrobage à faire, 10 cm. Donc, donnez-moi la valeur. -0,525. -0,525. Voilà, donc -0,525. 0,525 qui est intérieur à... Voilà, intérieur à E0. C'est vérifié. Bon, ça nous fait sous. Exactement. -0,525. Donc c'est... Quand on ne voit pas générer des trucs, ça veut dire que notre section est critique. C'est une section qui est critique. Donc c'est ça, c'est la première méthode. On va essayer de faire la deuxième méthode. Donc pour la deuxième méthode, on va calculer directement épaisseur et faisceau critique sans passer par le calcul de E0. On va calculer le faisceau. On l'a déjà plutôt calculé, c'est 2400 kN. Donc ensuite, on va calculer faisceau critique. Donc pour calculer faisceau critique, on a le moment positif. On va prendre la formule directement en classe 1, dans le cas où le moment il est positif. On va remplacer directement égal à donc M max c'est 1625 euros, c'est 1 sur 3 en fois V, 1 sur 3 325 sur 2 plus le V prime. C'est 1,25 sur 2 moins le déprime qui est égal à 10 centimes, donc 0,1. D'accord. Voilà, donc chasse de 1215 exactement ce que j'ai eu. 2215,2 kN. Donc la valeur elle est inférieure à et sous. Donc ça veut dire que la section elle est sous-critique. Ça veut dire que la section est sous-critique. Vous pouvez faire avec les deux manières. Soit la première,
en calculant la section, plutôt l'effort normal et après calculer plutôt la pré-contrainte normale, après calculer l'excentricité et vérifier la condition d'enrobage. Sinon, la deuxième méthode, c'est-à-dire calculer puissure critique, comparer les deux pour voir si vous avez une section sous-critique ou sur-critique. Alors, dans ce cas, si on avait une section sur-critique, on allait prendre E0, on allait le fixer à la condition d'enrobage, c'est-à-dire on allait le prendre égal à 0,500, moins 0,525. Mais puisque la section est sous-critique, donc on va prendre P, plutôt E0, il est égal à moins 0,468. Donc si on récapitule, vous avez votre grand résultat. P, l'effort de pré-contrainte, c'est 2400. C'est 2400 kN et 0, on va la prendre, moins 0,468. Voilà, donc ça c'est la première question. Ensuite, pour la deuxième question, normalement, qu'est-ce qu'on doit faire en deuxième question? On doit faire quoi? On doit déduire le nombre d'armatures de pré-contrainte. À votre avis, comment on peut calculer le nombre d'armatures? À partir de quoi? Vous avez une idée? Par rapport à quoi? Par rapport à madame la pré-contrainte des prix, non? Exactement, c'est par rapport à la pré-contrainte. Moi, je pour madame, si on a la pré-contrainte, on est pour la valeur. Je vois, on a valeur, jamais le reste, elle a le nombre, là. Tu me dis parce que j'ai pas bien écouté. Madame, pré-contrainte, les pénales, non? Exactement, il y a la pré-contrainte, les HSBO, il y a le HSBO, le nombre d'armatures. Et comment? Non, pour avoir la pré-contrainte, c'est quoi? C'est un effort. Oui, madame. Pour avoir le nombre d'armatures, on a besoin d'avoir... La section. Voilà, on a besoin d'une section. Oui. Yeah. Donc on a besoin d'une section. Avec la section que je vous ai donnée, ailleurs. Mais la section que je vous ai donnée, c'est juste la section pour une armature. J'ai besoin du nombre d'armatures, les règles atténuées de l'effort de pré-contrainte, et qui va assurer la pré-contrainte, la contrainte de l'effort de pré-contrainte initial. Madame, donc les pertes, les attachements, je prends clairement en considération. On va les prendre en considération quand on va calculer après, quand on va tracer le diagramme, les contraintes normales. Mais pour le moment, on ne va pas les prendre en considération. On les prend que après. Donc là, en fait, pour calculer la contrainte minimale, pour calculer l'effort de... Enfin, le nombre d'armatures, on a besoin de la contrainte, travailler avec la contrainte initiale. En fait, la contrainte initiale de pré-contrainte, c'est l'effort de pré-contrainte. Alors, vous l'avez sûrement vu que le premier chapitre, comme la pré-contrainte, elle est égale à l'effort de pré-contrainte sur la surface et les armatures. Alors, je vous ai donné la surface d'une seule armature qu'on va utiliser pour obtenir le nombre. Il suffit de prendre la pré-contrainte initiale, la pré-contrainte de calcul, on va la diviser sur le nombre d'armatures, plutôt sur la surface. L'IFIA, le nombre d'armatures. Donc en fait, c'est fait l'effort de pré-contrainte sur N, le nombre d'armatures, fois A, c'est-à-dire la surface d'une seule armature. Donc, dans notre cas, c'est à grandir, je suis là. Donc, dans notre cas,
être remplacé. Donc le P, c'est 2400. Et N, à chercher. Je vais sortir de la formule. Donc ça va vous donner N qui est égal à ça. N qui est égal à sigma P0 plutôt P qui est égal à sigma P0 sur la section par armature. Donc donnez-moi la valeur. C'est ce calcul, donnez-moi la valeur. Madame la section Schneider. Yann. Tapez. Tapez, c'est la section par armature. Okay. Que normalement, qu'est-ce que j'ai de la précontrainte, c'est que ma P0, c'est la précontrainte initiale, pas sur, c'est-à-dire qui est égale à 1400 mégapascal. Donc la précontrainte initiale, elle doit être égale à la précontrainte, la contrainte de la précontrainte initiale, elle doit être égale à l'effort de précontrainte sur la section d'armature. La section d'armature, c'est N, vous êtes selon les disponibilités au marché. Donc il y a plusieurs types de câbles, et chaque câble ou chaque armature est là, une section ou là une surface. Bon, donc, madame, on a la surface avec laquelle on va travailler. Oui. Madame, on a les segments P0 connus. Oui, elle dit 400, c'est la précontrainte initiale. C'est bon. Connu. Elle varie entre 1400 et 1800 mégapascal. Pour la section D, la 400, c'est normal. La section des armatures, bien sûr. C'est une donnée. Allô? Madame? Oui. Je n'ai rien compris, en fait. Par rapport? Rien compris quand tu dis je n'ai rien. On a une question en fait. Hein? Vu qu'il parle trop en arabe en fait. Vous parlez un peu trop en arabe. Il y a des expressions clés que je ne comprends pas en fait. Je ne parle pas en arabe, je parle en français. Depuis que j'ai commencé, je ne parle qu'en français. C'est quand quelqu'un me pose la question que je peux expliquer en arabe. Ouais. C'est quand on me pose la question, quelqu'un me pose la question, que je lui parle en arabe. Pour lui expliquer, pour qu'il me comprenne un peu plus. Mais pour l'explication du cours des exercices, je ne parle qu'en français. Donc si vous avez des questions, vous me les posez et je vous réponds. Ok, ça. Madame. Oui. Madame, je voudrais vous dire la deuxième question. Je n'ai pas... D'accord. Donc pour la deuxième question, c'est très simple. On veut calculer quoi? On veut calculer un nombre d'armatures. Un nombre. Normalement, le nombre d'armatures, il dépend de la section. Si on trouve la section, parce que comme donnée, je vous ai donné quoi? Je vous ai donné la section d'une armature. Une armature qu'on va utiliser. Et moi, je n'aurai pas besoin d'une seule armature. J'ai besoin de plusieurs armatures. D'accord? Donc, les armatures, normalement, leur rôle, c'est quoi? C'est faire passer une tension, la mise en tension, leur mise en tension, et va faire passer l'effort de précontrainte afin de comprimer le béton tendu. Donc logiquement, il y a une relation entre la mise en tension initiale qui est de 1400 mégapascal, entre la section des armatures et entre l'effort de précontrainte. Donc c'est très simple. Un effort, c'est la contrainte fois la surface. Dans notre cas, la contrainte initiale, c'est sigma P0 qui est égal à 1400 mégapascal. Donc sigma P0 il est égal à 1400 mégapascal. Si on la multiplie fois la surface des armatures ou bien des câbles, on va obtenir l'effort de précontrainte qu'on a calculé. D'accord? Et dans notre cas, la surface elle est égale à combien? On a la surface, c'est en fonction de la surface, c'est-à-dire la section de des armatures ou la des câbles, elle est égale à la surface
la section d'une seule, d'un seul câble, une seule armature de précontrainte, à multiplier fois le nombre de barres. D'accord? Donc si on veut calculer l'effort de précontrainte, c'est la contrainte initiale. Plutôt, si on veut calculer la surface, c'est la précontrainte, la surface totale. C'est la précontrainte totale, plutôt c'est l'effort de précontrainte à diviser sur la contrainte initiale de précontrainte. La contrainte initiale à appliquer initialement pour la mise en tension. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, madame. Madame, par la section, l'unité de la la section, elle est en millimètres carrés. Pour calculer le nombre de les armatures, vous avez le P qui est en kilonewton. Vous avez la contrainte de initiale qui est en mégapascal. Vous avez L qui est en millimètres. Convertissez tout en méganewton, là en mégapascal, et le taux en mètres pour avoir un nombre d'armatures. Donc le P, il est en kilonewton. La contrainte, il est en mégapascal. Oui. Et la section des armatures, elle est en millimètre carré. Donc vous pouvez la convertir, plutôt vous devez convertir tout en mètres, parce que du méganewton au mégapascal, c'est plutôt mégapascal, c'est méganewton par mètre carré. Donc la section, elle doit être en mètres. En mètre carré. Oui, en mètre carré. Que méganewton par mégapascal, c'est méganewton par mètre carré. Donc vous devez convertir la section en mètre carré. Enfin, pour faire simple, pour avoir tout en méganewton, mégapascal et mètre, et avoir bien sûr un nombre entier. Donc on va essayer de faire ce que vous m'avez compris. Oui, madame. Qui m'a posé tout à l'heure la question, qui m'a dit que je parlais en français. Oui, madame. Comment déjà? Christophe. Oui, Christophe. Bon, tu m'as compris? Oui. Sinon, la prochaine fois, si tu n'as pas saisi quelque chose et que j'expliquais en arabe, tu m'arrêtes et tu dis. Je te réexplique en français. D'accord? Madame. Okay. Voilà, donc on va prendre ça. Et on va faire le café. Donc ça c'est 2400. Exactement, c'est ça. Donc on va multiplier par 10 à la puissance 3. Ensuite, ça c'est 1400. Et pour la section d'armature, on a dit c'est 338, c'est pas plutôt 31, fois 10 à la puissance du millimètre en mètre, 10 à la puissance moins 6. Voilà. Donc après, vous allez trouver 5,18 armature. C'est-à-dire que pour assurer une contrainte initiale de 1400 mégapascal, on a besoin de 5,18 armature. On va prendre 10 à madame ou le fait. Justement, combien à votre avis on va prendre? 10 à madame. Est-ce qu'on prend 6 ou là on prend 8, 5? On va vérifier les deux cas, premier cas. Si on prend... Non, madame, il a dit 6. On peut dire justement, donc c'est pour ça qu'il faut vérifier. Qu'est-ce qu'il faut vérifier?
هادو لي كالكول مدام دو كالكول دو كوا اون فا با ريفير لو كالكول دو كيس كون دو فير كوم دو فير كوم كالكول اون فا بران 6 Pas forcément, mais c'est la contrainte. C'est plutôt par rapport, c'est surtout par rapport à... La section. À, c'est surtout par rapport à l'excentricité. Mmh. En augmentant le nombre, on affecte, c'est vrai, les formes de précontraintes. Parce qu'en augmentant le nombre, là, automatiquement, les formes de précontraintes, ils doivent diminuer. D'accord, pour avoir... un effort de précontrainte qui est égal à 1400. Donc en fait, c'est par rapport à l'excentricité. Il faut recalculer l'excentricité parce que pour voir est-ce qu'on respecte toujours la condition d'enrobage ou pas. D'accord. Oui. Madame. Oui. Madame, sigma P0, c'est la contrainte de précontrainte. Oui, c'est la précontrainte initiale. Initiale. Merci. Déjà le premier chapitre c'est la tension initiale. C'est selon les règles de DPEL, on prend en prétension une précontrainte initiale qui est inférieure ou égale à un minimum entre 0,85 FPRG et 0,95 FPEG. PRG, c'est la limite de rupture garantie, PEG, la limite élastique garantie. En post-tension, vous avez deux valeurs selon est-ce qu'il s'agit de fil ou là, est-ce qu'il s'agit de barre. Vous avez deux formules. Vous l'avez vu en premier chapitre, la dernière, je crois, partie. Enfin, si vous faites la même chose que nous. Donc, c'est ce que j'ai fait. Hein. Que vous l'avez trouvé. Oui, madame prétention ou post-tension. Exactement. Oui, madame. On a dit qu'il y a la tension initiale. Vous pouvez la calculer. Si je vous avais donné FPRG, normalement, ou la FPEG, vous devez calculer avec ça, c'est-à-dire avec ces formules. Selon est-ce que vous avez la prétention ou la post-tension. Mais si je vous donne directement la valeur, vous prenez directement la valeur. Vous travaillez avec directement la valeur. Et c'est la même chose avec celle-ci, si vous faites ça. D'accord. Soit vous travaillez avec la formule donnée, c'est la formule que vous avez déjà, ou vous prenez la valeur que je vous ai donnée. Donc la tension initiale dans notre cas, c'est 1400 mégapascals. Ça, c'est clair. C'est bon? Oui, madame. Madame, merci. Madame, oui. Madame, 2400, c'est la puissance 10 moins 3, madame. C'est ça. Allez, avec 6 choses. Voilà, donc je répète par rapport à ça. Si on prend 6 armatures, c'est-à-dire si on augmente au lieu de diminuer, augmenter ou diminuer, on affecte l'excentricité. On affecte B, donc automatiquement l'excentricité. Donc il faut vérifier surtout par rapport à l'excentricité. Donc si on augmente le nombre d'armatures, automatiquement l'excentricité, elle va diminuer. Donc il faut recalculer l'excentricité pour voir est-ce que on respecte toujours la condition d'enrobage ou pas, selon les deux cas. C'est-à-dire si on prend 6 armatures ou là si on prend 5 armatures. D'accord? Oui, madame. Voilà. Donc si on prend, il faut respecter le fait que l'effort de précontrainte 2 fois E0, c'est-à-dire l'excentricité, le moment dû à l'excentricité, il soit égal. Si on prenait un différent nombre d'armatures, c'est-à-dire, hein, je vous écris la formule et vous allez me comprendre. Vous allez comprendre ça. Donc, il faut que, en fait, si on divise 1400 sur le nombre d'armatures qu'on a calculé
de 5,18 et qu'on le multiplie par l'armature qu'on a pris et qu'on multiplie par E0, en fait, à la fin, il va être égal à 2400 à l'excentricité. Madame, la section des armatures données. C'est une donnée. En pratique, c'est en fonction de ce qu'on a sur chantier. D'accord, madame, merci. Madame, une question. Oui. Il y a rien à vérifier avec 6 armatures. Mm-hmm. Vous vérifiez déjà 5. Pardon? On vérifie 5. Si on a trouvé que 6 armatures à vérifier la condition. Normalement, sur ça. Si on prend 6 armatures, c'est bon. On ne fait plus de calcul. On prend 6 armatures. Parce que si on prend 6 armatures, ça veut dire que l'excentricité elle va diminuer. On n'a pas de problème. Ça veut dire que la nouvelle E0 avec 6 armatures, elle va être au-dessous de E0 avec 5,18 armatures. Donc c'est pas la peine de vérifier. Moi je vous donne juste la formule normalement qu'on doit de vérification. Mais si vous prenez 6 armatures, c'est pas la peine de vérifier. Je vous explique juste, ou là je vous montre si vous voulez, je vous démontre comme quoi le E0 il va diminuer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de souci si on prend un nombre d'armatures supérieur. Là-bas, si on prend un nombre d'armatures inférieur, c'est dans ce cas qu'il faut vérifier, parce qu'on risque de ne plus vérifier la condition dans nos pages. D'accord. Ok, madame. D'accord. Donc ici, on va calculer le nouveau E0, la nouvelle excentricité, sachant qu'il n'a plus compté E0, je vais l'écrire. E0, il va diminuer. Donc, si vous voulez, vous ne faites pas le calcul. C'est pas de souci. Voilà. Donc, après, on va calculer E0. Donc, le E0 qui est égal donc, 2400, il va partir. Donc, vous aurez égal à 0,468 fois 518 sur 518 sur un apport dans un essai 6, parce qu'on a pris 6 armatures. Et 6. Donc sur 6. Donnez-moi la valeur. Je travaille. Donc le deuxième cas. Madame égale à 0,404. Voilà. Donc il n'y a pas, a priori, il n'y a pas de problème. Sinon, pour le premier, deuxième cas. Monsieur, madame, 4. Oui. 4 monsieur. 404. Oui, madame. Donc, le deuxième cas, si on prend 5 armatures. Donc, faites le cas, E0, il va augmenter. Donc, c'est dans ce cas, on doit faire les vérifications. C'est-à-dire que la nouvelle E0, la nouvelle valeur de E0, elle va devenir, donc je vais écrire, donc la nouvelle valeur de E0, au lieu de 6, on va prendre 5. Vous remarquez ici, vous avez le 5. On voit donc automatiquement le E0. Exactement. Et dans le cas où elle va augmenter,
qu'il faut faire les vérifications, c'est-à-dire voilà, qu'il faut faire les vérifications par rapport à l'excentricité. 484. Voilà, c'est ça. Oui, 0484. Bien. Donc, mais ça reste quand même inférieur à 0,525. Parce que tout à l'heure, le moins le 0, plutôt le V' moins D', on a trouvé 0,525. Et donc 0,484, elle va rester au-dessous. Ça veut dire qu'on respecte toujours la condition d'enrobage. Ça veut dire qu'on peut prendre 5 armatures au lieu de 6 armatures. D'accord. Donc il suffit de faire la vérification. Si on diminue le nombre d'armatures, si on est proche de 5, là, je ne sais pas, ça dépend de combien on a trouvé. Si on diminue, automatiquement, il faut penser à E0 qui risque d'augmenter. Et si E0 augmente, dans ce cas, il faut faire les vérifications pour voir est-ce que vous ne dépassez pas le V'-D' ou bien le V-D, pour voir est-ce que vous respectez toujours votre condition dans vos bâches. Est-ce que vous m'avez saisi? Oui, madame. Madame, la seule condition, on a une chasse, madame, chasse, dîme, ou chasse, oui, il faut respecter la condition d'enrobage. Par rapport à votre section, il faut rester, il faut toujours rester à l'intérieur de la section en respectant l'enrobage. D'accord? Oui. Donc, il est en relation avec la dîme, madame. Et en relation toujours avec l'excentricité, pour la vérifier. Oui, en fait, le 6, c'est par rapport à P, c'est par rapport à la contrainte initiale. Sauf que, non, le P, ici, le nombre d'armatures, il est en relation, pas de la formule, il est dans cette relation. Donc, c'est par rapport à P, c'est par rapport à la tension initiale. Donc, c'est soit vous augmentez P, soit vous diminuez P. Si vous augmentez ou diminuez P, en fait, vous affectez l'excentricité. C'est pour ça que ça revient toujours à la condition d'enrobage. Et ça revient à l'excentricité. Elle diminue dans le cas où vous augmentez le nombre d'armatures, ou elle augmente dans le cas où vous diminuez le nombre d'armatures. Et si vous diminuez, il faut penser à E0 qui risque d'augmenter, et donc au respect, au fait qu'il faut respecter la condition d'enrobage. D'accord? Voilà, on va passer à la troisième question. Donc je vais essayer de vous envoyer après ça, sinon vous prenez non si vous voulez. Donc voilà, donc, pour la troisième question. Donc pour la troisième question, qu'est-ce que je vous ai demandé de faire? Je vais revenir. Il faut tracer le diagramme les diagrammes des contraintes normales dans le bédon, c'est-à-dire x0 égale à L sur 2, à vide et en service. C'est très simple comme question. Il faut faire quel calcul? Qu'est-ce qu'il faut calculer? On va travailler avec la contrainte normale. Donc, je vais revenir à la contrainte normale, la formule de la contrainte normale. Donc ça, c'est la contrainte normale. Et on vous demande de calculer, de faire le calcul. On vous demande de faire le calcul de la contrainte normale à vide et à service. En service et à vide. En service, ça veut dire en fonction de M max. Et à vide, ça veut dire en fonction de M min. Vous avez le P, c'est-à-dire l'effort de précontrainte. On a l'excentricité. Dans notre cas, l'effort de précontrainte, il faut prendre l'effort de précontrainte en prenant en considération les pertes, c'est-à-dire en retranchant les pertes. Vous avez les pertes qui sont de 8% à 8, c'est-à-dire les pertes instantanées qui sont égales à 8%. D'accord? Et 10% n'est pas continué. Voilà, c'est ça. Vous avez 20% des pertes par rapport à sigma P0 et 8% des pertes instantanées. Les pertes instantanées, c'est les pertes à vide. C'est-à-dire
quand vous allez appliquer les charges instantanées, c'est-à-dire que le poids propre, et 20% des pertes en service, c'est-à-dire que vous allez diminuer votre effort de précontrainte de 8% à vie et de 20% en service. Donc pour faire le calcul, le nouveau P, bien sûr, prenant en considération les pertes, M, c'est le moment dû aux charges extérieures à vide et en service. Et puisqu'on va calculer en X égale à S sur 2, donc ça veut dire qu'on va prendre le cas où on a le moment maximal, c'est-à-dire la moitié de la faute. X, c'est le moment maximal en X égale à S sur 2. Et le P, c'est comme si en fonction des pertes. E0, c'est l'excentricité qu'on a trouvée. L'excentricité ici initiale, qui est moins 0,468. Et le Y, c'est en fonction, bien sûr, de où est-ce qu'on va calculer l'effort normal. Parce qu'on veut dessiner le diagramme, la contrainte normale. On veut dessiner, tracer le diagramme sur toute la section. C'est-à-dire, moins V' jusqu'à V. Donc c'est pour cela qu'il faut calculer les deux extrêmes, les deux contraintes normales extrêmes, en moins V' et en V. Et après, il faut tracer le diagramme. Donc on va essayer de faire après sur AutoCAD, mais on va faire d'abord l'application numérique, c'est-à-dire que on va commencer à vide, après on va enchaîner en service. Donc, la troisième question. Donc, pour cette troisième question, on va commencer par le diagramme. On va commencer par tracer le diagramme à vide. Après, on va passer en service. Donc, à vide, Gunnar. Qu'est-ce qu'on a comme charge? On n'a que le poids propre. D'accord? Pour l'effort de précontrainte, on va diminuer de 8% parce que les pertes instantanées, c'est 8%. Donc on aura 92 fois P. Et une excentricité 0 qui est égale à moins 0,468. Ça, c'est les données de calcul. Après, on va calculer le diagramme de contrainte. Le diagramme de contrainte, on va calculer en Y. Donc là, c'est en fonction de 0,92 puisqu'on a enlevé 8%. Ensuite, ça, c'est demi, qu'on est à 8. Donc si on juste le poids propre, on n'a que le poids propre comme charge. On dit c'est toujours 0,92. Et en plus de ça, on va calculer en Y égale à H sur 2, moins H sur 2, moins V prime. Et en Y égale à V prime. Donc ça va être V prime. Et H sur 2, là vous aurez le moins. Et le deuxième cas, on va faire le calcul en Y. C'est-à-dire que vous aurez le moins plus. Et en plus, vous avez là le V. Voilà, donc vous faites l'application et vous donnez les valeurs pour voir est-ce qu'on a les bonnes valeurs. Vous me suivez? Vous êtes là? Vous êtes là? Oui, madame. Oui, madame. Là? 92. Ah ah. La fin de la normalement, c'est... madame. Là? Mais 8% de les pertes. Exactement. C'est les pertes. D'abord, on a dit 20%. Quand je te dis 20% de sigma P0, c'est les pertes différées. C'est-à-dire c'est les pertes en service, quand on va appliquer toutes les charges. Y compris les charges d'exploitation.
Donc, prochain goal gagne 20% de pertes de sigma P0, c'est par rapport aux pertes en service. D'accord? C'est-à-dire, quand on va faire la vérification en service, on doit appliquer 20% des pertes par rapport à l'effort de pré-contrainte. Donc, si on applique 20% de pertes, là, on va enlever, on a dit 100% P, on va enlever 20%. Ça veut dire que l'effort de pré-contrainte ne va plus être 100%, c'est-à-dire 1 fois P, mais plutôt 1 moins 0,2 fois P. Mais il y a 0,8%. Donc ça, c'est les pertes en service. Madame, pardon, 10 à 10, nous le disons à 8%. 20% c'est la perte en service. Ah, 8% c'est la perte instantanée. Instantanée, c'est-à-dire le temps T quand on va appliquer la prétention. Le temps T. C'est-à-dire quand on va appliquer que la charge permanente. On n'a pas de charge d'exploitation. C'est-à-dire à vide. Donc les 8% c'est la perte à vide. 8% par rapport à P. C'est 0,92. C'est 100% moins 8%, donc c'est 0,92. D'accord. Donc, d'accord. Donc, il y a la contrainte par rapport à moins V' pour avoir la limite inférieure de contrainte normale, ou par rapport à V pour avoir la limite supérieure de la contrainte normale. Donc, voilà, par rapport à P, P ne va plus être P, mais on doit diminuer de 8% à vide. Et M, c'est plus M max, ou plutôt c'est la vérification à vide, donc on va prendre M. Le deuxième cas, on va prendre M max et on va prendre 80% de P. Madame, I, où est-ce que je nomme I, X ou la Y? I. Oui. C'est P fois H au carré sur 2. C'est 0,4 fois 1,25 à la puissance 3 sur 2. Il m'a de H3 à la puissance massive. Ah, H c'est là. Donc il m'a de carré sur IX. Ah, IX. Alors, il a dit X, la sable des arts, c'est ça qui est. Il a toujours dit X. Comment tu les as disposés. Sinon, c'est B fois H à la puissance 3 sur 2. Oui. Donc, atteignez la valeur, s'il vous plaît. 8675,25. 8675. Pour être le premier, combien vous avez trouvé? 8000, non. 8000. Ah, tu l'as. Tu as dit 8600. Oui, 60. Oh, kilomètres. Ah, les champs entiers, là. Je vais rajouter une petite différence. On attend les autres. On rajoute les 8336. Il n'y a pas une grande différence entre nous deux. Mais bon, on va vérifier quand même. Les autres, vérifier quand même. بعنا شحال كتساوي بي لا بي سي سيكسيون سي 0 سي 0.4 1.25 انا جو ريبرون ما عقلتش على فالور ما عندي وي سي 0.4 وي mettre en mégapascal, comme ça j'aurai la contrainte d'y aller en mégapascal. Le MN, donc c'est 0,625. Le P,
C'est 2,4. Le E0. Et moins, je vais faire sortir le moins du milieu. Le moins, c'est le moins de E0. D'accord. Moins 0, 600, pas plutôt 486. Donc c'est... Donc 200. Fois V'. Le V', c'est H sur 2, donc A, 25 sur 2. Le I, c'est 0,4 fois 1,25 à la puissance 3, donc je vais ajouter une meilleure puissance. 1,25. À la puissance 3 sur 2. Voilà. Donc ça c'est la formule. Combien de séries tu as trouvé? 6 800. J'essaie de reprendre le calcul. Je vais ramener mon calcul. Madame, j'ai trouvé 19,61. Madame. Oui. 19,61. On avait trouvé 8336. Je vais refaire le calcul. Madame, c'est 8336. Yep. Oui. Donc, c'est 8336. Non, c'est la même chose. Avec ça, c'est plus. Et... voilà, c'est la même chose. Madame, j'ai trouvé 8,60. Oui, non. Lou, la madame. 8,60. Je ne comprends pas, là, je vous avais trouvé différentes valeurs. Madame, s'il vous plaît. Madame, j'ai trouvé 8,71 pour la première. Pas faire de majoration. Appliquez la formule. Non, j'ai pas fait de majoration. Oui, oui, madame, là, oui, Anderson. Majoration. 8,71. Je vais refaire le calcul. Attendez, je vais refaire le calcul. Thank you.
Madame Razeshvé 33. Madame la 0,468 m86. Madame la deuxième 495. Exactement, c'est ça. C'est toujours plutôt positif. 0,425 mégapascal. Voilà. Donc, essayez de tracer le diagramme ensemble. Non. Le diagramme, il va être sous cette forme. On a plus 0,95 par rapport à la section. Par rapport à la section, donc je vais essayer de prendre une section. La section, je vais la prendre carré rectangulaire. Donc en H sur 2, maintenant on a trouvé 0,95. Voilà, donc je vais prendre ça H sur 2, donc 0,95. Ensuite, non, c'est 8, on est obligé. Donc attends, on va le diagramme. Parce que là-dedans, on va allonger un peu parce que 0,94. C'est-à-dire 0,495, c'est quand même important par rapport à 8,336. Voilà, donc si on prend, je vais essayer d'ajouter un peu. Donc ça, c'est en moins de prime, c'est-à-dire H sur 2. Et ça, c'est ça, ça fait ça. Et ça, c'est par rapport à H sur 2. Donc, par rapport à H sur 2, on a trouvé une contrainte égale à plus 0,495. Maintenant, c'est 8,336 m. Le diagramme. Je vais essayer de le reprendre. Voilà. Donc ça, c'est le diagramme à vide de notre section. Bien sûr, diagramme de contrainte normale. Après, on va passer en service. Donc, la même chose. Madame, là, faut que tu aies une autre règle que les valeurs. T'as les valeurs ? Oui, les valeurs. Merci madame. Voilà, donc pour l'état en service, on a dit déjà c'est 80% par rapport à P, donc c'est 0,8. La même chose, on a l'excentricité à G, en plus de G, on a Q. Après, vous devez prendre 0,8.
après le final c'est M max. Voilà. Et voilà, c'est ce que j'ai. Chalé, il m'a pris un max à 625. Oui. Ah oui, tu veux madame. Donc, je vais enlever, c'est ça. C'est atteindre la valeur. Après la même chose ici. Viens. Oui. Madame. Oui. Avant que le diagramme, on a quelque chose. Merci beaucoup. Je vais rectifier ça. D'accord. Bon, je crois que je risque de oublier quelque chose. Donc 1,625. 0,8. Voilà. Voilà. On va mâcher 0,08. Non, 0,8. 0,8. On enlève 20%. Donc c'est 100 moins 80, à moins 20, moins 80. Hello. Oui, 008, il faut que l'effort de prix contraste. Pas de tif. Hello, can I help? J'ai trouvé moins 3,8%. Non, je vais faire entre parenthèses, c'est 100% moins 8%. D'accord. Mais il y a 92%. Il y a 0,92. Ah oui, oui, madame, il y a c'est 100% moins 20%. Oui, oui, madame. C'est 80. Ah, merci, madame. Donc, Naya, je vais vous donner directement les formules. Comme ça, vous après, vous les rectifiez, vous les vérifiez si vous voulez. En fait, Naya, vous allez trouver en action de moins 3,13. Exactement. Vous allez trouver moins 3,13. Exactement 133. Madame, s'il vous plaît, c'est 10,81 pour la deuxième, je crois. Oui, 10,81. C'est 10,81. Voilà, donc on va essayer de refaire, de tracer le diagramme. On va essayer de tracer le diagramme. Donc on a un H sur 2, combien on a trouvé? On a trouvé 10,81. Et par rapport donc par rapport à H c'est 3 moins 3 la 13
Non, c'est 10. Et on va عندنا واحد لا بارتي بوزيتيف واحد لا بارتي نيجاتيف. فوالا هذيك لا بارتي نيجاتيف سي كوا اتراكسيون اتراكسيون فوالا je veux dire qu'on a l'attraction pourquoi elle est due à quoi La perte de charge, madame. Très bien. C'est parce qu'on a des pertes de charge. Quelles sont les pertes de charge? Donc, automatiquement, les pertes de charge ont causé ou entraîné l'existence de contraintes d'action dans le bébé. D'accord. Là, je vais vous l'écrire comme remarque. Les contraintes de traction à cause de voilà. Très bien. Madame, vous êtes là. Oui. واش باش كنعوضو ايكغيك ب موان زي بخيم كنديرو موان بين ان ماتش والاخر وفخرا كنديرو بليس هنايا درنا موان علاش؟ حيت لو موان زي زيرو لا عندك لو موان هو لو موان خارج على برا باغابوغ سا و الانتيغيوغ راه عندك او زيرو فيها موان فوالا داكوغ Très bien. Madame, vous avez les pertes de charge, dis-moi qui qu'on a. Ah, dis-moi qui est les pertes de charge. Bah, ouais, le troisième chapitre. C'est quoi, il a ton lecture, là, c'est moi qui vais le voir avec. Madame, on va voir l'influence de l'homme à la poutre machin. Ah. Madame, on m'a dit qu'on invitait les pertes de charge. Justement, on ne peut pas les éviter. D'ailleurs, là, la thèse de l'année, c'est ça, le sujet de là, voilà, comment on peut diminuer les pertes de charge. On ne peut pas les supprimer en entier, mais on peut au moins, avec certaines techniques, on peut les diminuer. Là, justement, c'est ce que je suis en train de préparer. De la manière, on va en discuter le troisième chapitre de ça. Après, là, on va y aller maintenant quand même. Madame, pour 0,8, madame, j'ai pas bien écouté. Pourquoi on n'en prend pas 0,08? Merci. Index 100%. Quelle est la perte? 8%. Là, 8%. Le... 10%. Non, 20%. 20%. Ah, 20%. Donc, les pertes à l'état en service, c'est 20%. Donc, il y a 600 moins 20%.
Madame, les pertes à vide, vous m'avez instantané, vous m'avez les pertes instantanées. Moi, les pertes fixes, c'est quand tu vas mettre en tension Merci, madame. Voilà. Donc, essayez de faire le troisième exercice. C'est la classe 2 pour une section pour I. Pour la semaine prochaine, madame? Oui, pour la semaine prochaine. Celle-là, c'est pour les commandes, la correction. D'accord? Ok, madame. Oui, madame. Non, madame, à quoi tu peux nous dire le commentaire. Merci, madame. Voilà, donc vous êtes tous là. Oui, madame. Vous êtes contrôlé. Oui. Très bien. Excellent. Bonne journée. Merci à vous. Madame, merci. Merci, madame.